mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le gentleman gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Je me suis fait mal à la cuisse en entendant. C'est pas grave, rentrez. On va faire du karaté aujourd'hui. On va jouer à Mortal Kombat. Et quand on joue à Mortal Kombat, qu'est-ce qu'on fait? On invite Tom. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu Mortal Kombat... Le ninja à lunettes. Ouais, non, 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 on n'a pas le droit de frapper un gars avec des lunettes. Comment je vais faire? Et c'est un avantage, tous les coups sont permis à Mortal Kombat. C'est vrai. Bon, alors allons-y, fritons-nous. Ouais. Allez. Ah, je suis content de te retrouver. C'est notre petite tradition. Comme d'habitude. Mais c'est vrai en plus, hein. Je crois qu'à chaque fois que j'ai testé un Mortal Kombat dans mes émissions, tu as toujours été là pour venir faire... C'est une tradition, le effectivement. Le sparring partner, disent les amis anglais, qui sont très fair-play. Ben parce que Mortal Kombat, bon, c'est un vieux jeu quand même. C'est vrai. Il n'en est pas à sa première version. C'est vrai. Et c'était le premier où il y avait du sang. Exactement. Donc je pense que c'est ça qui a fait des fondamentaux comme moi. Ben moi, je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est un des premiers jeux de mauvais goût. Voilà, mais vraiment exactement. Très mauvais goût. Et celui-là, tu verras que c'est pareil. Il est très moche. Il y a du sang partout, etc. C'est vraiment de mauvais goût, mais on aime ça. On n'y peut rien. C'est fou, hein. Oui. Indépendamment de la fidélité aux personnages multiples. Et de plus alors en plus ça c'est nombreux. Vrai, on retrouve nos favoris. Johnny Cage, l'espèce de Jean-Claude Van Damme. Sub-Zero, Scorpio. Scorpio, Keno. Johnny Cage et autres. Ah Jade, excellent choix. Parce que je veux vérifier tout de suite si les vêtements se déchirent. Il n'y a pas besoin de les déchirer, regarde, il n'y a rien. Ça, bah, c'est quand même un des gros trucs cette année. Il y a une petite lanière en cuir, là, on se demande... Ça doit être facile à trancher, bon. je vais m'y attarder. Alors, toujours deux points, deux coups de pied. Hein. Oui, oui, alors vraiment voilà. Les fondamentaux, quoi. Les bases, les quarts de cercle, voilà, les petits trucs où je peux déclencher le feu. Alors, on s'est pas beaucoup entraîné, en fait, avec Tom. On préfère découvrir devant vous. Ah, oh, voilà, bien. La fameuse prise. Oh, avec un sticker. Ce qui est bien, moi c'est ça que j'aime dans les Mortal Kombat, c'est que c'est relativement facile. On peut vraiment arriver... Oh bien, tu m'as bien repoussé. Tu m'as bien cassé mon truc. Oh. C'est relativement facile, on peut s'y mettre très vite. N'importe qui peut s'y mettre. J'arrive pas à lancer. Ah, voilà. Ah bien. C'est pas confus, je trouve. C'est ça qui est bien, parce que je voulais faire Marvel versus Capcom. Ça explose de tous les côtés, je ne comprends rien. Ça m'énerve, faudra que je m'y mette, mais vraiment... Oh bien, Jade. C'est trop compliqué, enfin je trouve qu'il y a trop de choses, c'est trop spectaculaire. Là ça reste sobre, si c'est on vrai. Peut dire. Ça permet de faire des trucs, voilà, tout basique. On sait où est le personnage, on sait ce qui se passe. Il y a toujours des valeurs refuges, hein, qui sont le coup de pied bas, le coup de pied haut, le saut. Voilà, alors après, bien sûr, c'est une question de mémoire. Ah, mémoire du combo. Alors tout est bien fait parce qu'il y a vraiment un truc qui permet... Oui, oh, qu'est-ce que tu me colles? Il y a vraiment un truc qui permet de revoir les mouvements à tout moment. Fais voir R1, parce que c'est toujours assez sympa. La prise, la chope. Ah, voilà, tu vois. Elle a je t'arrache des points de vue et je les récupère. Ah oui, alors la nouveauté, puisqu'on est chaud, là, c'est le X-Ray. Voilà, j'ai raté le mien. Si tu peux essayer de me faire le tien, ça serait pas mal. Déjà les deux gâchettes du bas en même temps. Regardez bien. Voilà, c'est au rayon X, ça fait mal ça. Au rayon X, c'est ce qui m'arrive. C'est une sorte de radio. Et tu peux le finir, sauf qu'on n'a pas appris par cœur les fatalités. Mais vous verrez qu'on a une petite surprise après pour vous faire voir quand même des fatalités. Je cherche. Ça peut toujours arriver par un coup de chance. Oh, joli. Oh. T'es quand même un peu abîmé. Oui, mais bon, cette lanière en cuir a tenu le coup tout le long, mesdames et messieurs. c'est quand même... on notera la finesse et la solidité des coutures. Ah, ça, c'est le tissu asiatique. c'est chinois. Les couturiers de Mortal Kombat sont vraiment les meilleurs du monde. Je trouve aussi. Du monde parallèle. En fait. Alors, je vais prendre Kratos, tiens. Histoire bon, alors, de je vais voir. Prendre un classique pour... un bon vieux scorpion, un scorpion, oui, bonne idée. Ou un Sub-Zero, alors. Allez, Sub-Zero, très bien. Les Sub-Zero. Flammes de Kratos contre la glace de Sub-Zero, voilà. Ça promet. Voilà. Ça promet. Donc ça, c'est un nouveau personnage. Il y a des personnages différents en fonction des versions. Sur la PS3, c'est Kratos. Aujourd'hui, on joue sur PS3. Évidemment, on pourrait jouer aussi sur Xbox. Oh, il est beau. Alors, il y a les chaînes de l'eau. Le de la lame. Et ce bon vieux... Captain Nico. Oui, c'est vrai. Essayez de me congeler.
Allez, on est parti. Monsieur Picard. Oh la vache. Voilà, Picard. C'est parti. Hop. J'ai voulu faire ma tête de méduse et ça n'a rien donné du tout. Et voilà, je le fais toujours dans le vide. Oh la vache. Oh, bien contré. Tiens, quelques petites flèches peut-être pour la route. Alors, on peut booster, en fait, quand on a des... Les jauges en bas servent à ça. Il y a un truc qui permet de booster un coup spécial. Donc, par exemple, les petites flèches que j'ai envoyées là tout à l'heure. Maintenant, ma jauge est assez haute pour que je me permette d'en envoyer un peu plus. Si j'arrive à me mettre dans un coin tranquille deux secondes. Et à réussir mon coup. Ah, voilà, oui, j'en ai envoyé beaucoup plus que tout à l'heure. Donc ça, c'est la touche R2 qui permet de booster ses combos. Ouais. Oh, il me balance son X-ray, il m'arrache le foie. Un petit foie congelé, voilà. Oh, bien, bien, Tom. Oh. Alors, plus on morfe, plus nos jauges se remplissent. C'est pour combler l'injustice du gars qui est en train de perdre toujours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh, vache. Ça c'était triple triangle, mais c'était messieurs. Magnifique. Je vais tenter mon petit X-ray sur toi. Oh, il est pas mal. Oh, il est joli. Ralenti, X-ray, voilà. Oh. Ça fait mal. On se demande comment ils sont encore debout après des trucs pareils. Hein, mais... Ça c'est des jeux pour dentistes. Les mecs, ils étudiants en dentaire. Je pense que ça leur plaît. Oui, ils doivent apprendre des trucs sur l'anatomie. Alors ils ont fait un modèle anatomique assez complet de chaque personnage. De façon à ce qu'ils puissent être dépecés dans les règles, hein. Il y a vraiment des trucs assez spectaculaires. Oh. Et il y a tout, la mâchoire, les tendons. Oh, bravo! Ouais. La mâchoire, les tendons. Tiens, moi j'ai ça. Attends, ça pour toi. La réponse du berger à la bergère. Tiens, alors ça c'est pas mal, c'était la petite tête de méduse. Je te la mets devant la tête et t'es complètement pétrifié. Abasourdi, pétrifié. Ouais. Il y a du gadget. Ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont... T'as vu ça ? Ah, bien, le leurre. Le leurre congélateur. C'est tout. Je vais te congeler, moi, tu vois. Oh, la vache. J'ai fait ma tête de méduse pour rien. Oh, putain. Ah, quoique pas pour rien, mais si, sauf non. Que si, voilà. Je profite pas de mon avantage. Alors, on peut envoyer facilement les mecs en l'air, ça aussi, c'est pas mal. Et continuer à les blaster en l'air, mais ça nécessite beaucoup plus d'expérience que ce que j'ai. Allez, un petit coup, si tu l'aimes pas, celui-là. Oh, bah dis donc, il me file des aigreurs. Oh, dommage. Oh là là, oui, j'avais un pied congelé. Oh, mais tu t'en tiens pas comme ça. Finish him, bah oui, je veux bien, mais je connais pas, connais pas les trucs de Kratos. Bon, j'essaye. Donc le truc pas mal dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a un entraînement pour essayer justement les fatalities. Nous, on les a pas appris par cœur, on s'est pas fatigué, mais on peut vraiment les apprendre au fur et à mesure. C'est à toi de choisir un nouveau combattant. Un nouveau combattant. Donc tout à l'heure, on essaiera de vous enchaîner 2-3 fatalities, histoire qu'on voit un peu d'accord. Ce que ça donne. D'accord. Mais là, en combat, franchement, à moins de les connaître par cœur, on en a noté deux. On peut essayer Shiva contre Johnny Cage, quand même, pour le principe. Tu prends qui alors ? Alors moi, j'avais pris Shiva. Faudrait que tu prennes Johnny Cage. Johnny. J'aime beaucoup Shiva. Fais-moi mal, Johnny Cage. Pour j'aime les beaucoup vieux Johnny qui Cage. Connaissent Johnny un petit peu. Voilà, du temps où la chanson française, monsieur, pouvait se permettre d'être subversive et politiquement incorrecte. C'est vrai. Alors, tu chantes plus en ce moment, tu fais plus l'acteur, j'ai remarqué. Oui, mais ça ne manque à personne. Oh là Frisbee. Si ça manque à moi, j'aimais bien les. Oh, ça reviendra peut-être en temps et en heure. Je prépare mon avenir, je fais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, oui, qu'est-ce que tu prépares de beau? J'écris. T'écris? De quoi? Une pièce de théâtre, tu m'as dit? Oui. voilà, je voulais la faire. Oui, ben ça c'est bien fait, effectivement. J'ai le temps de rien faire dans tout ça. Ah. Oh, bien Johnny Cage, bien. Oh, ouais. Oh là là là, ce petit coup de pied retourné, je l'aime pas. Tiens, voilà c'est une petite flamme. Alors c'est une sorte de Dragon Ball, là, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais maintenant que j'ai récupéré quelques barres, je devrais pouvoir te l'enflammer un peu pour qu'elle fasse un peu plus mal. Mais je pense que j'aurai le temps de rien faire. Trop tard. Ah oui, non, j'ai senti. Prépare-toi, souviens-toi de ta fatalité. On mettra peut-être sur pause si on a le temps, mais... Oh la vache. Bon, très bien. Je vais te faire mes X-ray. Il est rapide, hein. Oh la vache, oui, j'ai pas le temps. De... Voilà, là j'ai fait mes X-ray dans le vide. Oh, ah non, oui, pas dans le vide. Non, puisque tu m'as fait rebondir jusque... Si le talon ne vient pas à toi, tu iras au talon de Shiva. Oh,
J'adore Shiva. Elle a quatre bras, des seins énormes, un string. J'aime beaucoup cette femme. Elle a beaucoup de classe. Mais un string d'une solidité, encore une fois, mesdames et messieurs. C'est vrai que c'est quelque chose. Non, il y a vraiment un caractère design absolument pourri. C'est-à-dire, je trouve qu'ils sont vraiment ridicules. On a l'impression que ça a été fait par une équipe de l'Est, des pays de l'Est. C'est vraiment du plus mauvais goût. Oh, j'ai perdu ma fatalité. Mais qu'est-ce qu'on se marre? Ah, peut-être pas, attends. Non, j'ai perdu mon X-Ray. Ah oui, tu l'as fait dans le vide? Ouais. Vous l'avez peut-être remarqué. Ah, il est chaud ce... Oh la vache, j'ai peut-être pas... Oh là 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 là! Oh là 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 là! Finish him! Alors, attends. Alors. Je mets sur pause, regarde ta fatalité, on sait jamais. Alors. Avant, arrière, bas, croix. C'est pas facile à faire. Allez. Avant, arrière, bas, croix, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Alors attends, je vais me placer. Avant, arrière, bas, croix, vite. Merde. Allez, encore. Avant, arrière, bas, trop tard. Elles sont dures à caser, elles sont dures à mémoriser. J'adore son côté Vandame avec ses lunettes. Oh, yeah. Avant, arrière, bas, croix. Ah, tu vois. Mais il faut être dedans, faut de la pratique, faut plein de choses qu'on n'a pas. Ouais, on n'a aucune patience. Il faut avoir une tournure d'esprit malgré tout au niveau de la mémoire. Nous, on aime bien se friter. Mais pour la génération carré, croix, rond, triangle, il n'y aura pas de problème. Oui, c'est vrai. J'ai pris Keno, tu veux prendre qui, toi? C'est une sorte de Terminator, un petit peu. Donc, qui je veux? Alors, une fille, il faut mixter, parce que c'est un jeu tout à fait mixte. C'est vrai, j'ai pas compté, mais t'as raison, il y a beaucoup de filles. Elles sont pas bien pareilles. Non, mais elles sont efficaces et donc on peut toujours inviter un ami, parce que c'est un jeu extrêmement convivial. Tout à fait. Bah, mais c'est ça que j'aime. Voilà. Hein? C'est pas compliqué. Pour ceux qui aiment se taper dessus. En équipe. Ah oui, parce qu'il y a tag team. Et aussi. Voilà, donc on va vous faire voir ça juste après. Il y a un mode tag team où on peut avoir deux personnages chacun et avec R1, je crois. On va place au spectacle, on va vous laisser deux minutes le temps de faire un. Double Moi j'ai Keno, toi tu as Mila. Oh mince, je fais dans le violet mais. Ah voilà. C'était beau mais c'était à côté. Si j'arrive à t'attraper. Oh c'est beau! Double burne cassé. Oh là là, je prends cher. C'est un peu le tirage du Keno si je puis me permettre. J'ai pris cher dans les boules. Oh la vache! J'ai quasiment un perfect. Je crois que je t'ai pas touché depuis tout à l'heure. Il serait temps que je me réveille. Je me suis mis en boule, c'est pas très efficace. Je fais rien. Je fais des trucs dans le vide qui servent absolument à rien. Tu es quand même t'envoyer un peu valdinguer en l'air. Oh, attends, je voulais placer mon X-ray. Vache. Le bout X-ray. Oh. Ah, ça va me finir. Donc c'est vraiment rayon boucherie charcuterie. Je gagne dessus, c'est bien. Bon allez, un peu de concentration, je vais essayer un truc quand même. Ah mon ami, j'aime Marcus pour ça. Pourquoi? Parce que tu peux gagner. Il encaisse bien. J'ai rien révisé avec Keno, alors du coup je sais absolument pas ce qu'il sait faire. Apparemment pas grand chose en tout cas. Entre mes mains, c'est pas facile. Donc je tente des quarts de cercle, je tente des tas de trucs. Mais je tente très bien mon X-ray, mais j'ai même pas l'occasion tellement je prends cher. Et voilà, j'ai fait mon X-ray dans le vide. Fini par une petite flamme violette. Oui, c'est joli. Non, mais c'était pour passer au tag team. Regarde, elle mange. Voilà, c'est tour de vampire, elle vient nous manger. Voilà. Vous voyez que c'est pour toutes les filles. Absolument toutes les filles. Les gourmands, donc. Les grenouilles à grande bouche ou autre. Oui, un petit côté Ali McBeal, un peu, je trouve. Alors, on va se mettre en mode. C'est convivial, on peut rester amis. Et perdre ensemble. Oui, c'est vrai. Mais nous, on adore quoi. On se fait vraiment des soirées avec ça. Donc là, il faut en choisir deux. Alors là, t'as droit à deux. Ah non, on va peut-être être tous les deux. Appuie sur Start déjà. Alors, Start. Je vais prendre par exemple Sonya Blade. D'accord. Mais on pourrait jouer. On fait de la mixte alors. Ouais, on pourrait jouer à quatre tous les deux dans la même équipe. Kitana donc. Et Raiden, le fameux Raiden. Ah oui, grand classique, t'as raison. Je vais faire une équipe de filles avec Sindel, qui est une sorte de Céline Dion, en fait, qui comme crie. Comme son nom l'indique. Oui, voilà, Sindel Dion. Et quand elle chante très fort, ça fait très mal aux oreilles des autres. Donc si j'arrive à caser deux, trois coups, ça peut être assez sympa. Moi, j'en ai pris, c'est que démasqué. Bon là, c'est un gilet en cuir, c'est même pas la peine d'espérer. Hein. Bon, à la limite, bon, là, on pourrait croire que c'est peut-être de la soie, le cordon. Je sais pas, on va voir ça tout de suite.
t'es déchaîné, Tom, aujourd'hui. Tu as pris des trucs. Je me suis rendu compte que tout n'était pas. Oh là là. J'ai réussi à interrompre. Joli, je t'ai chopé en l'air entre mes jambes, ça. Ouais, ouais. J'aime beaucoup faire ça. Oh oui, oui. Ah, ça va être beau, ça, j'ai senti que ça serait beau. Oh là, un petit coup de taillade. Oh, dommage. Alors regarde, voilà, il faut appuyer sur L1, pardon, pour changer de partenaire, si tu veux faire venir la tienne, je recule un petit peu. Un petit coup de L1, et voilà Raiden qui arrive. Donc Céline Dion a quand même les cheveux relativement longs. Ah ouais, d'accord. Et si je me démerde bien, elle doit pouvoir te choper par les cheveux. Ah oui, d'accord. Et tu passes un relais. Oui, c'est un peu un relais. Alors soit t'attends que vraiment il soit complètement crevé, soit tu fais venir l'autre un peu comme tu veux. Oh, voilà. C'est joli. Hop. L'intérêt, c'est que vous avez plusieurs techniques de combat. Bah oui, donc ça permet, en fonction de l'adversaire, de s'adapter un peu. Oui, voilà, un double. De s'adapter plus ou moins. Voilà, donc en appuyant n'importe comment, on fait des trucs extraordinaires. Bah oui, c'est ça. C'est ça qu'il me faut, tu comprends, dans ce genre de jeu. Tiens, allez, un petit X-ray de Céline Dion et Ambien. Oui, il est joli. Tiens, donne-moi ta jambe et prends la mienne dans la gueule. Donc, on va changer de danseur. Un petit côté tango, assez sympa. Oh, t'es téléporté comme un lâche dans mon dos, c'est pas mal. Ouais, mais ça n'a pas servi à rien. Oui, c'est vrai, c'était pas mal. Ah, j'arrive pas à te choper. Je voudrais faire un X. Ah, quand même. Voilà la tornade. Un petit côté X-Men, je trouve. Avec cette superbe tornade. Ah, je voudrais faire un X. Un X-ray, je crois que je vais me laisser faire. Tiens, reste par terre un petit peu. Oh, il était dans le vide, toi. Ah, je l'ai perdu. Je suis désolé. Oh, bien, le coup de l'éventail suivi d'un petit vol. Sonya Blade win. Ah. Bien joué. Alors, regarde, elle est couverte de sang. Ça aussi, c'est assez ridicule. Il les couvre de sang au fur et à mesure. Comme si ça suffisait. Oui, mais les vêtements. Ah, les vêtements ne bougent pas, je suis assez d'accord. Oh là là. Alors tu peux évidemment débloquer des tas de trucs, des nouvelles tenues, des esquisses, des personnages, etc. Oh, tu me l'as refait. Ah, j'aime bien me défendre en l'air quand je peux. Ah, je suis pas bien avec Sonya Blade, je préfère mes mères là. Céline Dion est quand même mieux que, pour moi, que Sonya Blade. Ah bien, j'ai voulu l'attraper et tu m'as eu en première. Bon, très bien. Alors, il le fait bien aussi. Tiens, tu as vu, elle est très mauvaise haleine, en fait. J'ai fait un truc absolument... Oh, merde. Ahurissant. Ah, voilà, voilà la copine. Ça aurait pu. Voilà, la mauvaise haleine. C'est comme ça, on sent que ça te crispe, la mauvaise haleine de Céline. Oh, merde. Voilà. Donc ça, par exemple, vous pouvez jouer à 4, 2 dans chaque équipe. Alors ça, c'est pas mal pour les tournois, parce que... Nous, pour tout vous dire, avec Tom, on est en manque depuis Soul Calibur. On se faisait des tournois par équipe, 4 dans chaque équipe. Ah, face mais à face. Celle-là. C'était assez génial. Et on est un peu frustrés parce qu'aucun jeu de baston n'offre ça maintenant. Et je trouve ça vraiment dommage. Oh, j'aime bien, j'aime bien le truc, le chopage en l'air, j'aime bien. Relève-toi, Raiden. Mais il se barre du coup. Moi, j'enchaîne, c'est pas grave. Je sais, c'est très lâche, c'est petit. Oh, putain. J'ai trouvé que ça. Oh, Finishim, je ne demande que ça, mais je ne sais pas comment faire. Et en plus, il parle en même temps. C'est pour ça qu'il prend l'ascendant. En général, c'est quand je parle que ça se passe mal pour moi. Ah ouais. C'est quand je te fais parler que j'arrive. Non, mais tu as une Sonya Blade. Tout voilà. À fait, qui tient la route. Hein. Si Spencer en cuir, quoi. Alors, prenons d'autres combattants. On va faire un autre tag team. Ça permet d'en voir davantage. Oui, c'est vrai, c'est pas plus mal. Choisir de nouveaux combattants, donc. Puis alors, franchement, on découvre avec vous. Hein. Je vous avoue qu'on ne s'est pas beaucoup entraîné. Tom n'avait que la démo, donc il y a 4 personnages dans la démo. Je vous la recommande. Oui, j'en ai utilisé qu'un. Ah, finalement, t'avais pris quoi alors? Lequel était ton préféré dans la démo? Dans la démo. Je crois qu'il y a Scorpion. Scorpion, Sub-Zero, je ne sais plus comment elle s'appelle, Milena et Johnny Cage. Donc c'est assez court, mais bon, on va en chercher un autre. Un pas beau. Il y a ça des pas beaux, il y a Baraka qui n'a pas la Baraka. Ah, j'ai pris Sub-Zero. Ah non. Moi, j'ai pris Kung Lao et Night Wolf, l'Indien, qui suit les esprits. Smoke.
Ah non, j'aurais dû prendre une fille. Alors, je suis très déçu. Ils ont retiré Borracho, qui était mon personnage préféré. Je sais pas si tu te souviens. Il vomissait devant l'adversaire et les autres dérapaient dans la flaque de vomi. C'est vrai. Et ça, je trouve que vraiment, ça symbolisait tout Mortal Kombat. Lui est pas mal. Hein. Il a un coup spécial. Faudrait que je le retrouve. Il va envoyer son chapeau, là. Exactement. Bon. Il fait même mieux que ça. Il le plante dans le sol comme une scie circulaire. Et ensuite, il attire les jambes de l'adversaire de chaque côté de façon à le couper en rondelles. Donc ça, c'est assez spectaculaire. J'aime beaucoup. Oh, bien le tournicoti tournicota. Oh, ça, je sens que je vais pas aimer, par contre. Ah, voilà, regarde, c'est pas mal. J'arrive à bien l'envoyer, mais tu l'as bien esquivé, donc. Oh, allez, chapeau la colo. C'est parti. Voilà. Oh, cette petite éclair de fumée, ça venait de chez toi ou chez moi? Oui, j'ai fait un changement intempestif. Oh, bien. Ça, c'est joli, ça. Pas bien compris, c'était une chope que j'ai fait ou... Ah, j'envoie Nightwolf, finalement, j'envoie l'Indien. Il a un couteau. L'Indien est traître, hein, ça on le voit dans tous les westerns. Oh, bien. J'ai fait venir l'autre, je sais pas comment. Et oui, c'est vrai, on doit pouvoir faire intervenir les autres, j'ai pas révisé ça du tout. Mais du coup, c'est aussi l'avantage du tag team de faire apparaître son pote au moment opportun. Oh, ça, c'était pas mal. Oh, merde. Qu'est-ce que tu m'envoies, là? C'est qui, celui-là? Smoke. Oh, merde. Oh, bien. Allez. On va bientôt être près du petit X-ray. Oh, là. Oh, ça fait mal, ça. Oh, ça fait mal. Du coup, j'ai droit à mon X-ray. Alors, faudrait que j'arrive à le caser, si possible, pas dans le vide. Hop. Voilà, c'était dans le vide, bah voilà. Ah, c'est frustrant, hein, quand on rate un truc comme ça. Donc, il y a des combos, évidemment, genre carré, croix, triangle, chaque... Enfin, vraiment, tout. Toutes les combinaisons font quelque chose, en fait. C'est assez étonnant dans ce jeu. Mais c'est très simple. Donc, nous, comme on n'a pas révisé, on a franchement pas eu le temps d'approfondir, mais on peut vraiment prendre un personnage et assez vite faire le tour. Oh non, oh, quel idiot. J'ai confondu. Fight. Mais tu n'es donc pas mort. Oh bien. C'est ta mocheté, là. Allez, j'aime bien Joe l'Indien, alors je vais me faire revenir de temps en temps régulièrement. Ça surprend l'adversaire aussi de faire intervenir l'autre, regarde. Quand ça t'a pas été surpris du tout. Il est apparu derrière toi, mais c'était comme si de rien n'était. Magnifique. Ah, l'autre, il est venu. Ah, j'aime bien mon chapeau. Ah, c'est beau. J'aime bien Joe l'Indien, j'aime bien. Ah, t'as tes X-ray, hein, si tu le sens. Oh, voilà du X-ray. Oh, mais mes dents. Tu as raison, c'est vraiment pour les dents. Oh là 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 là. Stay down. Ça me fait beaucoup rire parce qu'ils ont fait comme on fait dans les simulations de voitures, tu sais, où ils s'amusent à reconstituer une voiture avec le châssis, le moteur, des tas de trucs physiques, un peu comme dans Gran Turismo. Sauf que là, ils ont fait ça avec l'anatomie des gars, pour pouvoir mieux les briser. Donc c'est un peu le Gran Turismo de la castagne, hein, Mortal Kombat. Oui. Sauf que c'est complètement anatomique, en fait. Allez, un Kung Lao est pas bien. Il est pas bien, mon Kung Lao. Oh, bravo. Ah, on finit sur un round partout. Oh là là. Ah, je te propose... Vous savez bien, chers amis, que la moindre faille peut être fatale. Oui, c'est vrai, ça va vite. Hein. Ah, j'aime bien changer de personnage en cours de route. C'est vraiment la technique du lâche. Ah oui, on voulait faire voir des fatalities, j'ai oublié. Bon, alors, finissons-en. Je voulais vous faire voir quelques fatalities absolument magnifiques. Et finir sur ça, ce sera beau. Oh non. Écoute, je pense que t'as quand même dominé. Hein. J'ai pas compté les matchs, mais j'ai l'impression que jusqu'à présent... J'ai défendu ma réputation de Mortal Kombiste. Oh oui, joli. Écoute, je te propose, puisqu'on est à égalité, de décider que c'est sur ce match que tout va se jouer. D'accord. C'est lui qui gagne, c'est lui le meilleur, et puis c'est tout. Voilà. Oh, tu veux pas, hein? Ah bah non, je veux pas. Tiens, j'ai un X-ray pour toi. Voilà. Oh oui, qu'il est beau.
Oh, là là là. Et il est fini, il me finit comme ça. Oh, mais attends, attends, c'est pas fini, je crois que t'as encore ton autre perso. Et puis moi, le mien n'est pas bien vaillant non plus. Ah, parce peut-être que faire revenir du l'Indien vite fait. Peut-être te finir avec l'Indien. Ah, oh, c'était joli, pas mal ça. Mon truc. Oh, oh oui. Je vais te poignarder. Oh, oh et puis j'ai appelé les esprits à la rescousse. Ah, je pense que j'ai mes chances, j'ai mes chances. Ah oui, une fois, ça sentait-le. Finish him, alors je ne connais pas le finish, donc je fais autre chose. Bien joué. Ouais. Bon, alors c'est moi le meilleur de tous les temps. En tout cas, en tag team, t'es plus tactique que c'est tag team. Est-ce que tu peux revenir au menu principal? Menu principal. Bon, je vais pas fanfaronner parce que je pense que si on faisait une soirée entière... Non, non, mais c'est je bon. Je pense que t'as dominé. On mais je reviendrai, je reviendrai. I'll be back. Sur le prochain Mortal Kombat. Donc juste pour finir, on va vous faire voir des petites fatalities. Vous voyez, il y a 10 didacticiels de fatality. Ça, c'est quand même, fallait le trouver, fallait y penser. Et vous prenez n'importe quel personnage et vous pouvez vous entraîner avec sa fatality. J'aime bien celle de Shiva, donc je vais vous faire voir celle-là pour finir en beauté. Hop, 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 hop. Voilà, elle est là, Shiva. Et on va la faire sur une fille. Hein, de préférence, par exemple, Sonya Blade. Voilà. Vous allez voir, c'est super bien parce que ça permet d'apprendre les fatalities qui sont jamais évidentes. On sait jamais à quelle distance il faut être du personnage. Effectivement. Les touches sont pas toujours évidentes non plus. Donc là, droite, baba, droite, baba, droite, carré. Allez, je vais essayer. Droite, baba, droite, carré. Voilà, c'est parti. Ouh. Regarde, ouvre c'est Sonya. Ce qu'on appelle alors, du striptease. Le t-shirt. Ah non, c'est là, directement... Là, les manières ont lâché. Directement tout le reste avec. Yes. Très bien. Ah, bien, ah j'adore. Bravo. J'adore. Bon, ben voilà, c'est sur cette merveilleuse image que se termine notre émission. Au revoir, les petits amis. Amis de la boucherie, bonsoir. Oui, c'était le vrai bonheur. Merci, Tom, d'être venu jouer oh, avec bah, moi. Comme d'habitude, et à la prochaine. Donc, mais oui. Et d'ici là, bah, entraînez-vous bien, bouffez-vous bien le nez, voilà, comme nous, massacrez-vous quoi. Bien. Entre amis, voilà. Alors, c'est un jeu 18+, évidemment, hein, mais vous voyez qu'on rigole quand même vachement bien. Oui. Entre adultes, bien c'est, entendu. C'est ne pas mettre entre toutes les mains. Exactement. Des mains et maintenant, la réalité reprend ses droits. Non, mords-lui l'œil, mords-lui l'œil. Voilà. Ah, mes lunettes. Non, pas avec les lunettes. Pas avec les lunettes. C'est bien. Game over.